Yes. Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Zebus, et nous voilà partis pour une découverte pleine et entière de Throne of Bone, qui m'a été proposée par Squash, soumis hein, bien sûr, dans les idées jeux. Je l'ai retenu, les graphismes me plaisaient beaucoup, j'aime beaucoup cet aspect dessiné. On va jouer d'après ce que j'ai vu, on joue un nécromancien, on invoque des... On invoque des sbires, on peut faire de la magie, ça dépend. On doit avancer dans un donjon, c'est un jeu de cartes en quelque sorte. Les sbires vont être des cartes, on va les placer, on va affronter les adversaires qui vont être représentés aussi par des cartes. Alors, j'ai jamais joué, on va voir ce que ça donne. Dread Knight. Ok, cool, plusieurs personnages, le bon collector. Quand j'invoque un minion, je gagne un crâne. Il semblerait que la monnaie du jeu soit les crânes. Ok, on doit défaire les envahisseurs pour réclamer les parties de notre royaume. Ok, les chasseurs de trésors ont envahi la crypte. On doit leur montrer que leur journée d'aventure soit finie. Ouais, on a des cœurs. D'accord, ok. Ça, c'est une façon de perdre. Notre niveau, 3 points d'XP pour le prochain niveau. On va voir ça gentiment, hein. Ok, chaque équipe attaque jusqu'à ce que un des côtés soit défait. Bon, ça devrait aller, hein, d'un point de vue statistique, on a un point de plus qu'elle. Ok, ils font les dégâts simultanément. Et les minions qui sont tombés reviennent à la vie. Ok, d'accord, très bien. Un point d'XP, deux skulls. Ok, quand on l'invoque, on apprend un sort niveau 1. Quand le combat commence, je fais des dégâts magiques équivalents à ma santé à un ennemi aléatoire non protégé. Donc 2 de dommages. Donc ce sont des trucs pour booster les points de vie, on augmentera ses dégâts à lui. Quand le combat commence, j'applique un de poison aux ennemis sur ma voie. On va tenter ça. Ok. Ok, 1, 2, 3, 4. Donc je suppose que ça doit faire 1, 2, 3, 4. Ok, la frontline protège la backline. Donc à chaque fois qu'on défait des ennemis, on peut faire plus. On a 3 crânes. On peut reroll une fois. Il a un shield. Il ignore la première phase de dégâts qu'il va subir. Très bien. Ok, si je tue un ennemi, je gagne un d'attaque de façon permanente. Zombie Rogue, Zombie Warrior, Blight, Mage, Aurore Mage. Ok, quand je survis à une attaque, je fais un point de dégâts magique. J'ai envie de tenter ça. D'accord, il peut attaquer derrière même s'ils sont protégés. Le monk, il attaque les adjacents. Et lui, non. Let's go. Ok, ils choisissent eux-mêmes leur... Oh! Et là, on a perdu. Ok, d'accord. Donc quand on se fait frapper... On les frappe aussi, mais on a perdu un cœur.
Tududoudoup, level up. Level 2 million où il a perdu into the shoop. On va prendre un spell. Bulkification. D'accord. Ceux qui ont plus de points de vie que de... d'attaque gagne un point d'attaque. 4 de poison, ok. Ça peut être bien pour essayer de faire monter la goule. Je mets ça où? Je mets ça là. Ok, très bien. Alors, on a beaucoup de choses. Ah, donc on peut le merge. Ah oui, d'accord, ok. Tous mes zombies gagnent plus 1 d'attaque de façon permanente. Tous mes rogues ayant plus 1 de santé permanent. Squelette, aurore, zombie. Je pense que le point de vie supplémentaire est cool. Sneaky, sneaky. Tiny Ghost, ça coûte quelque chose ou pas? Je suis pas sûr que ce soit un sort. C'est un sort. Spell slot, c'est un sort. Donc a priori, Tiny Ghost, il aura toujours 3-2. On va le tenter, on va voir. To battle. Donc on a le bard. Spell will trigger automatically during combat. Ok, ça c'est bien. Et lui. Les alliés gagnent +2/+2, protégé. Il a un petit cœur, je crois que ça veut dire qu'il faut le tuer 2 fois. Ouais. Je vais faire ça. Donc là, on gagne +1 d'attaque de façon permanente. Ah oui, il a le droit de m'attaquer dans le dos, cet enfoiré là. Pourquoi il attaque 2 fois, hein? Ok, excusez-moi, j'ai mis un téléphone à charger, ça fait beaucoup de bruit. Je déverrouille. Ok, il fait la gueule, c'est pas grave. Alors, la crypte a été réclamée. Time to have a break. Have a Kit Kat. Ok, ça c'est les activités. Ok, une colonne. Donc, bet on a battle to earn skull. Warrior and shaman gain +3 health. Give me one. Ok. Moi j'en ai pas de ça. Celui-là c'est celui qui me plaît le plus pourtant. Donc on va faire ça comme activité. Ok, donc on peut en stacker. C'est pas mal ça. Salut Prilcop, comment vas-tu? Ok, on s'entraîne. Ok, d'accord, très bien. Après le prochain combat, si je gagne. Ok, c'est ça le practice. Je vais pas gagner, hein. Malheureusement.
Si, goût d'effort. Ok, d'accord, j'aurais pu le doubler. On va essayer de que lui devienne un monstre. J'aime bien les trucs qui stack à l'infini. New with Ranger, c'est gagné plus 4 attaques. Ok, donc on a cette relique là. Donc on va arriver. In the castle. Castle. Ok. This area is larger, so there are more lane in combat. Ok. On en a combien? 5. C'est un zombie. On a un bonus sur les zombies. On pourrait cumuler ces deux-là. L'orange sanguine. Ah. Ça, je l'ai pas encore fait. Ouais, ça revient à peu près au même. Je préfère le protéger, qu'il ait une chance. Donc, on va le merge. Ok, d'accord, je peux pas. Je vais prendre la goule. Je suis pas sûr de. On peut peut-être les merger qu'une fois, c'est ça? Ok, il faut que je remette. Ok, donc lui, il faut que je passe niveau 2. On va le formuler de cette façon-là. Est-ce qu'on a moyen de voir son niveau quelque part? Oui, là. Le petit point au centre. C'est-à-dire qu'il a déjà été merge et il faudra que je les cumule. Ok, cool. Mécanique simple et efficace. Ben, 9 points de dégâts, hein. Il est. C'est une mimique! On le tue, il va passer à 10. S'en fout. Ok, il monte en attaque. Et j'ai assez de dégâts pour le finir. Il a assez de dégâts. Oh yes, le poison kick avant qu'il a. Parfait. Ok. Cool. On a un bonus sur les sneaky. On a 6 crânes, hein. C'est pas mal ça. King Skeleton. Lui, je le mettrais bien en. Alors, on va merge. 4-7, c'est top. Tous les zombies, ça va être bien. Ah, plus un point de vie. Les rogues, non, les zombies ont plus un d'attaque. On va prendre le. On va prendre les points de vie, je préfère que ça reste en vie. Voilà. Et lui, on va se le garder de côté. Ici, je sais pas à quoi ça sert, mais on va l'avoir ici. Mais ça peut permettre de merge, je pense. Et ça voudrait dire. Alors attends, vas-y, fais voir. Plus 1 d'attaque. Les spirits, plus 1 de santé. Les mages, plus 1 de santé. Ok, on a le symbole. Et on a leur symbole aussi. On va faire. Je vais continuer de capitaliser sur les points de vie. Non, il a pour faire mal. Il attaque 2 fois de suite. Ce qu'on va faire, c'est que lui, on va le foutre là. Lui, on va le foutre là. Et ça me paraît bien. Allez, on avance. Après l'attaque, il va faire un point de dégâts magique à tous les minions. Ok. Quand il prend des dommages, il gagne plus 2 d'attaque. Oh, il va devenir fort. Quoi qu'il va devenir fort en 2 tours, on le plie. Double attaque. Yes, passe 12. Bien costaud là. Elle fait mal à tout le monde. Hein. On s'en sort!
C'était chaud. Hein. C'était chaud. Alors, on peut continuer de prendre des minions ou alors on essaye de level up pour pouvoir faire des merges. Je pense que c'est intéressant. Donc on va roll. On a du bonus sur les zombies. Ok, related. Très bien, donc c'est ça le related. C'est le fait d'avoir de partager une classe, donc les zombies et les warriors. Ce qui pourrait être intéressant. Donc on va le prendre. Je vais... Lui, il est pas hyper fort. On verra peut-être pour le revendre. On va le laisser là pour l'instant. Donc là, quand lui va perdre son shield, parce qu'il va faire son attaque automatique, il va gagner plus 2 en attaque, donc il va monter à 15 d'attaque. Et après, on verra. Il partage une classe aussi avec lui. Donc, il partage une classe avec 1, 2, 3. 3 autres minions, c'est honnête. Lui, il est sneaky, sneaky. C'est un rogue. Cette classe-là me convient en moyen, moyen. Après, il attaque à 7, hein, l'enfoiré. Je peux roll une fois. Il y a un angureur ici. C'est ce que je voulais. Parfait. 6, 4. Chose reward. Les zombies plus un point de vie. Les rogues, on n'en a pas des rogues. Le skull, non. On va prendre le point de vie pour les zombies. On va les booster. 13-6, ça devient honnête là. Chose bonus. Minion. Whenever you perfect minion. Ok, donc là il est parfait. Il peut pas aller. Tu le contamines. Car je regarderai la rediff. Les bisous. Merci d'être passé. Ce qui m'intéresserait là, c'est soit on partage une des classes avec le Tiny Ghost. Oh, merci Squash. Comment vas-tu? Ouais, on a le Rogue ici. Le problème c'est que là, en fait, là on a quand même du squelette qui joint les deux. Il fait quoi lui? Ok, donc plus il reste longtemps en vie. Plus il attaque. On va se le tenter. On va virer le Tiny Ghost. Ok, il gagne plus 2 d'attaque de façon permanente quand il tue. Mais il peut pas monter au-delà. Ça me va bien. Perfected. On pourrait... Genre viser... On pourrait jouer ça. Fait des dégâts magiques. Non, il fait pas des dégâts magiques. Mince. Lui, en fait, on a un poison ici. Elle a pris scale sur le poison, mais c'est pas hyper intéressant. Je serais d'avis. Ouais, c'est... Je préférerais avoir du zombie en plus. Hein. Ok, il est montré avec des habilités qui sont déjà affectées par mes habilités. Parce que là, à chaque fois qu'on a level up, on a fait des augmentations sur les zombies. Et vu que c'est du zombie, les stats qu'elle a, c'est des stats qui sont améliorés. On va essayer de se faire une équipe de zombies dans ce cas-là. Je vais dégager ça. Je vais jouer ça. Il gagne plus 1, mais ouais, il gagne plus 1, quoi. On va le virer. On en gagne 2. Ah oui, mais on l'avait merge, c'est pour ça. Ok, ok. Let's go. Donc, en plus, il a gagné le... comment ça s'appelle? Il a gagné le Garrison Ghoul. Oh, le deadly qui fait mal, hein. Quatre points de dégâts. Oh. On est mort. Ah non, ok, il meurt. Nous aussi, on est deadly. Ok, d'accord. Donc, on peut encore encaisser 3 attaques. Level 3 minion will appear. Alors, qu'est-ce qu'on gagne?
Ouh, c'est fort ça. Ok, donc plus on monster mage, plus il y a diversité, plus on est fort. Nous, on n'a pas de diversité. Oui, trop fort. Ils sont tous, quasiment tous related. Lui, l'augmenter, ça me mettrait bien, je pense. On en a 6, on en gagne 3. Les zombies, plus 1 d'attaque permanente. Il est défenseur, donc il attaque pas, il va juste mettre des contres maintenant. Et ça serait bien qu'on arrive à choper donc un autre. Putain, lui il fait 7 de dégâts quand même. Ok, cool. Peacekeeper. Quand il perd son bouclier, au fur et à mesure, il va devenir de plus en plus puissant parce qu'il va gagner plus 1 de façon permanente. Ça, j'aime beaucoup. Toi, tu dégages. J'aurais bien aimé le récupérer, mais bon. On n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Ok, on a une équipe qui est quasiment full zombie. Quasiment. Ok, donc là on est au boss. On est au boss. Il faut le tuer deux fois. Left to right. Et si je fais ça? Ok, d'accord. Je vais faire cette attaque. On va lui... Ah, je vais juste lui péter le shield. Ah merde, j'allais attaquer en face. Le shield. Ok, on se gagne des shields à droite à gauche. Je pense pas qu'on le gagne ce combat là. J'ai encore du mal à voir le... Comment ça se passe. Ok. Si on va peut-être le gagner, mais on va le tanker au point de vie. On va mourir là-dessus. Il va nous attaquer, on va le tuer. Ok. Alors attends, c'est quoi la mécanique de quand on perdait le shield, on gagnait. Là, c'est lui. Quand t'as un zombie... Bah, là, je joue du zombie. Donc quand t'as un zombie ou un guerrier, donc lui, ça marche aussi pour lui. Prend des dommages ou perd son bouclier, il gagne plus 2 d'attaque. C'est pas permanent, mais oh la vache. Il commence à devenir balèze, hein, notre Angerer. Il gagne 2 points d'attaque. Et en plus, vu qu'on a ça, quand un allié meurt qui est related, donc là c'est des zombies, ils sont quasiment tous related. Il y a que lui qui est related qu'avec ces deux-là. Il faudrait que je mette un zombie à sa place. Quand un related meurt, il y a un allié au hasard, c'est ça? Ouais, à un allié, il lui donne un bouclier. Donc, c'est bon combo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On peut garder un mignon en plus avec nous. On regagne un... On regagne un cœur, c'est peut-être pas déconnant. Votre frontline gagne plus 2, ça me plaît bien, plus 2 health sur backline gagne plus 2 attaques, ça c'est très fort. Ouais. First storage minion gagne plus 2. Ça je la veux. Studi ça me sert à rien. Le train pourrait être cool. Et bienvenue sur le chat. Arabou. Bienvenue sur la chaîne.
Je me pose une grande question, le train. Ça me plaît bien. Ces deux-là me plaisent. Là, le fait que c'est le fait du related, parce que là, en gros, on va gagner plus 6 de santé, plus 6 d'attaque en tout. Là, on a moyen de gagner 12-12. Je pense qu'on va prendre cette ligne-là. Attends, mais c'est vrai qu'on peut faire dans l'autre sens. Non, je m'en fous un peu. Le study est pas ouf. Le strain est quand même cool. Je vais prendre ça. On joue pas la magie là pour l'instant. Ah ok, on a des improvements ici, c'est cool ça. Plus un d'attaque pour les mages. Les rogues ont plus un de vie, plus de points de vie pour les zombies. La petite masterise. Si je gagne, je peux gagner plus de plus de. Yes, let's go. Ah, ok, en face, il y a de la magie. Ils augmentent sacrément leur. Grâce à lui, ça augmente sacrément les attaques, hein. On va faire un monstre. Est-ce que ça serait pas intéressant qu'on ait deux. Lui, il va devenir un monstre tout seul. Non, Ziz Combat, c'est pas ouf. Me paraît bien. Allez, salle du trône. Cherche du zombie là. Oh. Related, si on peut avoir un combo Warrior, ça va fonctionner un peu. Je te mets là, je te mets là. Et on n'a pas le bonus ici parce qu'on n'a pas de zombies en. On n'a pas de zombies ici. J'aimerais bien avoir un zombie là. Un zombie Warrior serait, me permettrait de couvrir tout. Oh, Deadly, ça fait chier ça. Il donne quoi comme bonus? Il donne pas de bonus. Toi, tu vas tuer avec ton shield, tu prends pas les dégâts. Le shield qui nous permet de passer le deadly. Peu mal, peu mal. Les Warriors. Lui, il est nul. C'est qu'un niveau 1 en plus, fait pas rêver, quoi. Je préférais trouver un zombie. Pas de zombie, un bébé zombie. Yes, un bébé zombie. Voilà. Alors ça aurait été mieux un zombie guerrier. J'ai pas fait attention. Non, il n'y avait pas de zombie guerrier. On verra si on trouve un zombie guerrier, on le mettra là. Ah oui, il faudrait que je trouve un peacekeeper, ça veut dire. Ok. Ok. Allez, let's go, on procède.
Oh, c'est quoi cette merde? Ok, d'accord. Je me disais, c'était un combat qui était vraiment facile pour le coup. Le seul truc qui va être bien, c'est que là, on va gagner moult attaques parce qu'on en tue plein. Ouais, putain, 41 d'attaque, ça c'est honnête. Hein. J'aime bien quand il y a du scaling. Et là, il scale dur. Et le fait d'avoir les shields qui proc régulièrement, lui aussi, il devient hardcore. Alors, un zombie guéri. Ah ben oui, mais je vais le merge en fait. On va se prendre des points de santé supplémentaires. Regardez les skulls. Ah, on les perd. Ok, j'aurais pu roll un peu plus. À frapper tout le monde. On gagne de l'attaque partout. Il a frappé combien de fois? 3. Ok, d'accord, il frappe 3 fois l'enfoiré. Ok, il y a le x3 sous le 6. Okay. On a quand même quasiment toutes les infos sur le sur la carte, hein, quand même. Oh la vache. Ouais. Bon, en fait, ça va être le Peacekeeper qui va être le monstre de l'équipe. Lui, c'est plutôt Glass Cannon et lui, c'est juste un monstre. Je pourrais le merge. Est-ce que j'ai envie d'avoir un deuxième Hungerer? Je pense pas. En fait, si, je pourrais avoir un deuxième Hungerer qui me dérangerait pas trop. Les zombies gagnent un point de vie. En fait, on va faire ça. Là, j'ai quand même le bonus qui s'applique donc sur lui, sur lui, sur lui, sur lui. C'est pas ouf, mais... Je regarde même pas les autres, sinon je vais avoir envie de faire d'autres combos. Oh! Zombie, oui, oui. Ah oui, mais... Je peux pas le merge. Goddammit. Si je le merge... Attends, mais comment ça je peux... Il est déjà merge. C'est quoi ton problème? Ok, d'accord. Non, je peux pas le merge, mais par contre, je peux faire ça. Voilà. Et là, tout le monde a le bonus. Tout le monde a le bonus. Lui, je vais le dégager. J'ai deux crânes. Pas suffisant. Pas dit qu'il tue, mais bon, on va essayer. 3. Ok. And I first loser, they wake up. Ok, d'accord. Donc, dès qu'on le tuera. Ok. Pendant qu'il dort, il fait 2 dégâts à tout le monde. Et eux, ils sont defenders. Oh, ok. Defender, ça veut dire. Ils attaquent pas. Mais ils vont quand même faire des dégâts quand ils sont attaqués. Oh! Attends, il va faire ça à chaque fois qu'on l'attaque. C'est dommage qu'on puisse pas. Ok, ça va être compliqué. Hein. Voilà, déjà là, il y a un cœur qui saute. A chaque fois que la backline va attaquer, on va lui faire perdre un cœur. Donc il faut que je tienne 2 tours. Putain, le shield qui me fait du bien là. Le shield qui me fait beaucoup de bien. Un cœur de plus. Yeah, ça va tenir. Ça va tenir juste parce qu'on a quelqu'un qui est plus puissant que le dragon en lui-même.
C'est honnête. Au début du combat, tous les minions gagnent plus un de façon permanente. Oui. Quand un minion allié est attaqué et survit, doublez son attaque pour ce combat. C'est hyper fort. Ah, ok. On peut se faire un autre combo qui est plutôt rigolo. Moi, je ferais bien ça. On peut prendre des citrouilles, les citrouilles sont considérées comme des zombies maintenant. Petit practice. Donc on va mettre des citrouilles à la place des deux squelettes maintenant. Ça, c'est des trucs qui sont pas de qualité en face. On devrait réussir à faire ce combat là. Et surtout, on devrait gagner encore plus de stats. Est-ce que ce squelette là, c'est vraiment. J'aime bien avoir l'idée d'avoir deux vraiment costauds. Ok, le siège. Alors. Ah oui, ça me plaît. Oh, ça me plaît aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est ça. On merge. Tous les zombies ont un point de vie de plus. On merge. Non. Le storage là, on n'a pas de storage intéressant, on va prendre lui. Alors attends. On va faire ça. Yay. On a ce squelette qui m'embête un peu. On va mettre celui-là qui est bien meilleur. Lui, on va le recycle. On est à 4. Plus 3, dommage, dommage. On peut. Ça serait intéressant, Shielded. Bon, c'est un niveau 2, il est pas ouf non plus. Le Kersou! Il est pas ouf non plus. En fait, la question c'est est-ce que lui je peux le remplacer par un truc qui me permette de. En fait, ouais. Lui, c'est un niveau 3. Lui, c'est un niveau. Ah, c'est un niveau 4, pour ça qu'il est aussi fort. Alors, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais virer ça. Je vais mettre lui. Il va donner un shield. Et lui, je le dégage. On est repassé à 3. Et vu qu'on est repassé à 3, je vais me permettre de faire ça. Lui, il est amélioré. On va essayer d'améliorer la goule en parfaite. Juste un jeu. Mais c'est quoi donc ce jeu?
C'est un jeu où on invoque des minions, donc là les minions sont ici. Et le but c'est d'affronter d'affronter les ennemis. Et après donc de faire comboter entre les compétences qu'ils ont, les améliorations que je suis capable de leur donner, les objets que je trouve. Et en fait, il y a un truc que j'aime bien, c'est le fait qu'ils soient de la même famille, related. Et en gros, là, tous mes monstres partagent, ils sont tous zombies. Et j'ai réussi à avoir un bonus très très fort qui me permet que les zombies et les reapers, donc les citrouilles, soient related. Donc lui, avant, il était que reaper et warrior. Donc, il n'était pas affilié aux zombies. Et le fait d'avoir fait, je peux l'intégrer dans ma composition. Salut Morphée. Donc voilà, après chaque combat, je gagne des crânes. Et après, il faut que je dépense mes crânes pour acheter des minions, des améliorations. Là, on va affronter tout ça. Attaque à distance, ça veut dire quoi? Ok, quand j'attaque, ma cible ne me fait pas de dégâts en retour. C'est chiant ça. Et à chaque fois qu'un minion perd un bouclier, enfin un minion allié ou ennemi, ça je sais pas. Gagner plus 2 d'attaque. Eux, ils font quoi? Dès que je prends des dégâts magiques, je gagne un shield. J'ai pas de dégâts magiques. La magie, c'est avec les sorts, j'en ai pas. Et j'ai personne ici qui fait de la magie. J'ai du poison, mais j'ai pas de magie. Donc en gros, eux, ils vont pas m'emmerder trop. Les alliés gagnent plus 2 d'attaque. Oh, ça va les faire scale dur, ça. Après, le seul avantage qu'on a, c'est que avec le Hungerer, là, qu'on a monté depuis le deuxième niveau... C'est un monstre. On va le faire attaquer dès le début. On va sortir directement l'un de ceux-là. Toi, vas-y, t'attaques, tu tues. C'est quoi ce jeu encore? Par contre, si je pouvais éviter de perdre... Putain, il fera pas 110, mon Hungerer. Si je pouvais éviter de le perdre, ça me ferait bien plaisir, les gars. Ok, il attaque jusqu'à ce qu'il meure, donc il fait plein d'attaques à la suite. Oh, mais oui, ma goule, en plus, j'ai pas fait attention, mais ma goule gouliche, là, qui fait du poison, elle inflige un poison équivalent à son attaque, sachant que son attaque augmente à chaque fois qu'un de ses alliés se fait frapper. C'est très fort, dis donc. Ouais, elle était à 24, donc elle a mis 24 de poison. C'est fort, hein. Oh, c'est fort, hein. Yes, ça on peut le level up. Donc on va les associer. Donc maintenant elle devient améliorée. Donc il faut que je refasse elle en améliorée pour pouvoir la monter comme lui en niveau parfait. Les zombies, plus 1 d'attaque. Le but c'est d'augmenter. Hein. Là on voit que tous les zombies ont plus 5 points de vie, plus 1 point d'attaque. Les guerriers ont plus 1 point de vie. Les rogues, bon ceux-là je vais pas trop m'en servir. C'est vraiment la marge. La goule, j'aimerais bien être capable de l'augmenter. Il est trop beau pour Exebus, je trouve très très beau effectivement ce jeu. Ça me plaît bien, donc elle on va la garder là, on va essayer de lui monter son niveau. Je pense pas que ce soit utile qu'on fasse autre chose. To battle. Ok, on est sur le même setup, ça me dérange pas. Ah mais c'est quand un shield est consommé, donc même les shields alliés, ça me fait monter les points de vie de mon Peacekeeper, les points de vie et les points d'attaque de mon Peacekeeper. Mon Peacekeeper qui était plus fort que le dernier boss qu'on a affronté. Hein. Ouais, plus fort. Il avait 3 vies. Donc le Peacekeeper n'a qu'une vie, mais... Ça va aller assez vite, là. Lui, il va pas mourir à son activation, c'est dommage. Hein. Bon, il mourra à sa prochaine activation. Bon, bah, je pars en soin, mais écoute, bon soin, Morphée. J'ai le shield ici, c'est parfait. Il frappe à 52 quand même, l'enfoiré. Hein. Heureusement que j'ai le shield. C'est lui qu'il faut tuer, les gars. Si je tue pas lui, je meurs. Putain, 310.
C'est chaud quand même, hein? Le Hungerer, on pourrait peut-être le virer. Si je trouve du genre celui-là. Ça pourrait être intéressant. Un niveau 4, le Hungerer avec niveau 2. Ouais, il est pas ouf, hein. Ok, on augmente un peu le DPS, mais 3 de Magic Damage. Oh, ouais, non, c'est pas... pas ça qui... Oui! Allez, on merge ça. Yes. Alors, ouais, ah, d'accord, ok, ouais. Par contre, sur les améliorations, ça fait chier, ça, parce que ça me donne pas des améliorations de zombies, ça me donne des améliorations de citrouille. De Reaper. De Faucheur. Sinon, j'améliore guerrier. J'ai combien de guerriers? 1, 2, 3, 4. J'ai 4 guerriers. Et j'ai 2 citrouilles. On va prendre les guerriers. Quoique, non, 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 ils ont le trait citrouille en fait, tous. Donc on peut améliorer les citrouilles. On continue. Je continue sur les points de vie. Voilà, je continue sur les points de vie. Ça, let's go. J'ai l'impression qu'à un moment ou un autre, ça va mal se passer le combat. Putain, par contre, lui, quand ça devient vraiment costaud. Hein. De façon indécente. Ok, il commence à frapper dur là aussi. Hein. On remercie hein, la goule de garnison. Il me met très très bien. Ça va, ça va de mieux en mieux. Ok, dernier tour, ça va être le boss. Faut que je le récupère. Putain, je peux pas récupérer ça. Il faudrait que j'en vende 2. Ça me permettrait d'augmenter beaucoup quand même. Ça me permettrait de doubler les points de vie en fait. Et je pense que doubler les points de vie ça peut être intéressant. Ouais, elle, j'ai l'impression qu'elle est pas si forte que ça. Il gagne plus un point de vie. Ok, 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 ok. Si ça se passe mal, c'est la faute à la RNG de bébé qui transpire jusque dans le code de ce jeu. Simple. Exactement. You play with death. Double attack of the lowest attack. Oh la vache. Quoique c'est pas trop gênant parce qu'au début il va doubler l'attaque de ceux-là. Non, de ceux-là. Ah, de ceux-là. On va avoir 4 points de vie. On peut pas le face tank. Hein. Ah, il double l'attaque de tous ceux qu'on... Oh la vache. Ah oui, ils avaient tous l'attaque là. Ah, c'est un scandale ça. Double maille attaque. Ok, ok, ça commence à faire mal là. Ok, en fait, si on arrive à survivre, c'est uniquement si on a du shield. C'est parce qu'on a du shield, quelque part.
Faut attaquer les gars avant de mourir. Ok, on attaque la backline. Il reste un shield à gauche. Oh, on lui a enlevé un point de vie, c'est beau ça. 376, faut qu'il frappe dans les shields sinon il va me tuer. Oh, on a un shield de plus. Le shield qui tombe. Lui va mourir, ça va me shielder là. Donc on va mourir là. Non, on survit à une... Oh, oui, d'accord. 6016. J'ai réussi à l'abattre et on le tue. You perished. Ok, cool. Putain, c'est dommage, on n'est pas passé loin. Ok, là on a tout le level 5 minion, level 0. Ok. Cool. Les spells, on a vu ça. Pour oui, bon, les power-ups, c'est à peu près la même chose partout. Les reliques, on en a vu quelques-unes. Les ennemis, ok. Saloperie de RNG. On va se refaire une petite partie pour le plaisir. On va repartir avec le bon collector. Donc d'abord la crypte, après on sort dans le château, on capture la salle du trône. Là on était arrivé jusqu'au boss du siège. Je pense que le realm par contre est beaucoup plus grand. Alors... Ok, let's go. Donc là, on va essayer de faire autre chose. C'est quoi ça? One broken sticky. Le tiny ghost. Allez, on tente le tiny ghost. Il y a du squelette. Support increase your magic mastery by one. Et on préfère sur la magie pour nous. Sport sauveur. Poison, magie. Steward. Ah, Steward, c'est ça, ok. Spirit. On va essayer de partir en spirit pour voir. Pour le plaisir. On garde pas les skulls hein, d'un étage sur l'autre. Quatre skulls, hein, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a? A shield permanently. In the shop, a shield permanently. Oh, s'il fait d'invoquer un minion déclenche une habilité ami. On la déclenchera deux fois. On la déclenchera deux fois peut-être, mais ça j'ai pas vu. J'ai pas encore vu de monstre faire ça. Ça c'est pas mal. Le fait que les minions aient un shield naturel quand je vais les recruter, mais c'est pas fou. Et ça décaille pas, hein. On va prendre ça. C'est pas foufou. Mais bon. Ça c'est cool. Oh putain, 3, oui. On va faire ça.
On va associer ces deux-là. Ça nous donne 3. Alors, on va voir. On va tenter un truc avec les poisons mastery. Ça marchera pas super bien en fait, ah, c'est un peu de la gnognotte. Ça c'est bien. Ok, on a de l'esprit. On est parti sur de l'esprit a priori. On va voir comment on évolue ça. Allez. Il a une vie. 5 de poison. Voilà, il va perdre sa vie dès qu'il va s'activer celui-là. On n'en parlera plus. Oh la vache, ça c'est fort par contre. Et il meurt. Le fait que le possédé donne tout là, ça. Alors. À augmenter un peu les niveaux 1. Warrior and Shaman gagne plus 3 health, ça me plaît bien. On a quoi en ranged? On n'a pas tant que ça de ranged. On va prendre ça. On va partir sur du poison. On va partir sur du poison. Plus un point de vie pour les minions. Je préfère qu'ils tankent. Quand ils survivent, une attaque de plus, ça fait vraiment la différence. Alors, on a un peu plus de place. Ah, on n'a pas de ranged. Oh, et on n'a pas de sneaky non plus. Nice. La reroll gratuite tous les tours, monsieur, quoi. Si je mets le squelette devant, ça peut fonctionner en plus. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que j'ai envie de le merge, lui? Je pense pas. Ça me plaît pas. Ça me plaît. Sneaky, voilà. Combat start time make, a bonus attaque. Et il a le shield en plus. Bon, dommage, on va pas pouvoir lui mettre de copain devant, mais au prochain combat, on lui mettra un copain devant. À son activation, celle-là, elle mourra. Bon, bah, ok. Ça passe pile poil. Ça passe pile poil. Hein. Heureusement qu'on a la nécromancie avec nous. On a un esprit avec ça. On peut merge. Je pense qu'on va merge. On récupère un petit. On est parti sur des esprits, que les esprits gagnent plus un point de vie, je trouve ça cool. Ok, il augmente ses stats et en gros il va booster à mort un autre allié. On va faire un reroll. Il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas d'esprit. Void Champion. Deux dégâts magiques à toutes les unités, même à moi. Non. On pourrait faire ça, hein. On met le zombie qui dégueule et il infligera 2, 4 de. 4 de poison. C'est en lien avec ça, hein, avec ma maîtrise du poison. On va faire ça. C'est juste pour combler le vide. Il va mourir.
Ah, j'ai le sneaky, je peux attaquer derrière, c'est bon ça. C'est chaud. Ça, ça meurt. Lui va mourir à son activation. Voilà. J'aime beaucoup l'artwork dessus là. J'aime bien les artworks, mais il y en a certains où je kiffe vraiment beaucoup. On va appliquer 7 de poison, ok. On va reroll. Oh, bah oui, tous les jours. Tous les jours. Ça, ça va être bien. Hein. On va avoir quelque chose de très costaud. On gagne un skull de plus. On n'a pas augmenté les stats, certes, mais ça me permet de faire ça. Le hard work, moi c'est le corps. on est bon. Je sais pas si on va réussir à rentrer. On tue lui. Double attaque, ça fait le dégât à tout le monde. Un point de dégât à tout le monde, je m'en fous un peu. On va buter elle. Parfait. Yay! Parfait. Oh, le deadly est vraiment chiant à gérer. Hein. On va frapper dur là, on va le tuer. Ok. Allez, des esprits. Let's go. Level up. Level 3. Alors. Oh, la première fois que l'un de vos minions meurt au combat, on le réinvoque. C'est cool, ça. Oh, le plus impermanent. Là, on a un scaling. On n'a pas beaucoup de boucliers, par contre. On a quoi? On a combien de classes? 1, 2, 3... 4, 5. On gagne plus 5. Plus 5, plus 5. Ça, c'est fort pour de l'early. Ça, c'est de la survivabilité. Un petit survivabilité, parce que le squelette va dégager, hein, forcément. J'aimerais bien avoir un esprit combattant. Que je foutrais là. Ah ok, non, c'est, je pensais que j'allais le merge, dommage, 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 dommage. Feral. Ça peut être pas mal pour gagner l'XP ça, pour que moi je me renforce et... Mais bon. On va faire avec ce qu'on a. Faut que je foute un combattant ici. Shoot un combattant ici. Alors, ah, putain. Bah elle, on va la curse, la phytomanceur. Double activation, elle meurt, on n'en parle plus. Ça c'est bien, ça c'est moins bien. Ça meurt. Non, ça va.
Par contre, là, genre, je m'emballe un petit peu, je trouve qu'on est plutôt pas trop mal. Mais je pense que sur du long terme. Warrior Pass, ok, d'accord. Vais faire ça. Allez, on va essayer de booster la l'ombre. Sneaky est quand même très fort, hein. Ça nous permet de sortir les backlanes. Et on va bien sûr booster. Alors c'est. Ouais, on va booster. On continue de booster le poison. Alors. J'ai plus de. Quoi, si j'ai de la place en fait, je vais faire ça. Il y a des esprits combattants, j'aimerais bien moi. Ça c'est pas mal, hein. Non, ça c'est pas pas mal. J'ai combien de combattants? Parce que lui il va scale avec le. J'en ai pas. Regarde dans le compendium. Ah mais il faut que je l'ai découvert pour que le compendium me l'affiche. Non, j'ai pas de guerrier, faut que je vise le feral, ça veut dire. Faut que je vise le feral, ça serait top. On va tenter le feral, hein. Oh, j'ai pas envie de le. Je fais ça. Bien sûr, je peux pas. On va virer lui. Et hop, j'ai gagné un point d'XP. Et vu qu'il va mourir vite, puf. Et ça, ce qui est top, c'est que ça nous fait 6, plus 6 là. Ça, c'est cool. Bon, je pourrais optimiser peut-être en virant lui, en mettant autre chose. Je sais pas trop ce que je pourrais mettre d'autre, mais ou lui. To battle. Allez. Donc ça joue nécro, ça me va. Ah mais oui, c'est l'ordre d'attaque dans ce sens-là. Ce qu'on va faire, c'est ça. Attends, lui, il fait quoi? Lui, on s'en fout un peu en fait. Supporter, augmenter ma magie de 1, discutable, franchement discutable. Donc je pourrais peut-être viser un autre steward que lui. Du genre lui. Je regagne 2 skulls. Et en fait, limite, ce qui pourrait être bien, c'est qu'on mette la ghoul à la place du squelette, hein, qui est aussi une warrior. Et en fait, il me faudrait un esprit. Voilà. On va prendre lui. Ok, cool. On va faire ça, comme ça, tous les. On a plus 2, plus 2 sur quasiment tout le monde à part lui. Et lui. Donc la goule, en fait, elle va. On va faire ça. La goule va mourir en première, on s'en fout qu'elle meure au début. Lui, il meurt en deuxième.
Ça va permettre de gagner de l'XP masse XP. Ça va être top. Ok, pas malin, pas malin, pas malin, pas malin du tout. On donne plus 2 à un copain. Le plus 1 copain, il est pas foufou. Hein. Elle amourra son actif. Oui, putain, faut que j'arrête de faire ça, bordel, ils attaquent derrière eux. J'ai dû viser devant. Il va peut-être pas mourir, hein, mon petit Willow Wisp. Ok, il est pas mort, dommage. En fait, ce qu'on va faire, c'est vraiment ça. Je veux qu'il meure à tous les tours. La reroll gratuite me plaît bien. Est-ce que je veux mettre ça? Attends. Defender, combat start. Grow my recycle refund by one skull. Je sais pas ce que ça veut dire. Franck. À goût, j'ai pas envie de l'augmenter. Ça, c'est très fort. Et ça me donne le guerrier. Mais on génère pas de shield. On l'a un peu tard. Pas le guerrier. Pas avoir le guerrier. Je pourrais peut-être viser un autre rogue que la boule, que la goule. La goule est pas si forte que ça. Ça c'est pas mal. Ah mais j'ai déjà un feral, ça fait chier. Augmenter lui, ça me plaît. Je sais pas trop. Hein. Related minion, j'ai pas de blight. Putain, la vache, les blight. Il y a des trucs à faire avec les blight, hein, ça me plaît bien. Feral, non. On pourrait faire ça et mettre lui à la place. Est-ce que ça m'intéresse? Hein? J'ai envie de dire oui, ça m'intéresse. Parce que ce qu'on va faire, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça m'intéresse bien. Ça, on a le bonus de L, un bonus de Rogue qui va s'appliquer ici, qui s'applique ici. Il n'y a que lui qui n'a pas le bonus, tous les autres ont le bonus. Elle me casse les pieds, là. On attaque la backline, donc on va faire ça dans les treasure chests. Lui, à chaque fois qu'il attaque, il double, donc autant lui booster lui. Ouais, lui en plus, il est ok. Parfait. Donc là, ça meurt, on va le réinvoquer, on va gagner de l'XP. Si on peut avoir l'attaque supplémentaire en début de combat, je la mettrai sur lui, je pense. Yes, j'ai level up. Oh, sur combat start. Ah non, abilities. J'ai des combats start, je crois pas. Hein. Combat start, il met que bonus attaque. On a une attaque ici. Non, c'est pas ouf.
Ça me plaît. À chaque combat, on gagne plus un partout. Oui, on va prendre ça. Ouais, mais non, on lui a pas fait monter les points de vie. On lui a pas fait monter les points de vie à celui-là. Ok, on a beaucoup de bonus là. On a beaucoup de bonus. Ça me plaît même pas de le. Je vais pas le garder. On va récupérer ça. On va quand même le monter au final. Sinon, je vais perdre mes skulls de toute façon. Allez, on gagne le skull. On va faire ça. C'est pas fou, mais. Non! Oui, non! Peut-être! Je le veux. Ça m'emmerde de laisser tomber la shade. Il y a plus un d'XP. Plus un de points d'attaque sur tout le monde, on confirme. Le fait d'avoir un autre skull, ça me servira à rien. Ok. Je trouve mon équipe moins forte que la précédente. Lui va double à chaque fois qu'il attaque. Donc là, il va attaquer une fois. Bah, elle. Poison, ça fait pas de mal, j'ai envie de dire. Elle va bientôt claquer. Ok, ça devrait le faire. Bon, on a quand même quelque chose qui. Oh non. Chaud cacao? Non, ça passe. Non, c'est passé large en plus. Ok. Pas ouf. On va faire ça. Donc petit entraînement. On leur casse la gueule. On n'a pas un truc qui génère du poison.
On va faire les rogues, que ça va booster notre ombre. Oula, c'est quoi ça? Oh, je le veux. Je le veux. Whenever a related minion is attacked, apply influence to the attacker. Mushy, mushy. Blight Zombie Warrior. Ça me plaît beaucoup ça. On pourra virer elle. Ouais, je veux lock ça. Je veux le mushy mushy, on vire la goule. Là, on va avoir une vraie augmentation des, de notre DPS. Squash, pourquoi tu dis ça, Squash? Les deux activations, il va finir par que. Putain, vache, on va perdre. Ok, on a gagné 8 skulls. Putain, on a perdu 3 cœurs là sur un combat. Bonne balista. Tu avais un personnage qui s'appelait Squash Mugger et tu l'as zappé. Celle-là me plaît bien. Hein. Hyper fort. Ok, je l'ai pas. J'ai investi trop de ressources sur lui, ça m'emmerde de le. On va prendre le DPS constant. On va voir si ça marche. Je pense pas qu'on le passe ce combat. Et nous périssons. God damn it. Ok. Flesh Smith. À quelle mère j'ai mis tout improvène mignonne. Oh. Ok, ok. Ça peut permettre de faire des merges à moindre coût. On va se tenter celui-là. Oh, on commence avec un Hunger en plus. Hungered. Et pouf. Plus un attaque. Ça, c'est fort. Bon, ouais, je vais être obligé de jouer autour de ça. Sneaky, sneaky. On peut tenter les rogues, hein. Build de poison. Pourquoi pas avec le Hungerhead. Oh. Ah, ça, c'est fort. On préfère le build poison avec ça, éventuellement. Les rogues. On va faire les rogues. On va voir.
On va voir, on va partir sur du rogue. Le problème, c'est qu'il est tellement faible qu'il meurt à chaque fois. Il me faut une personne devant. Alors. Ça. Je vais prendre ça, qui est très fort, pour faire scale le Hungerer. Le Hungerer. Oh non. Je vais avoir une attaque bonus. Oh. Ils prennent toutes les compétences et tout. C'est hyper fort, surtout le sneaky ici. Let's go. Ok. Il se passe des choses là. Là, ça m'emmerde par contre. Ouais, j'ai pas assez de points de vie. En fait, les rogues, ça va pas être suffisant. Oh, on va se prendre un coup. Dommage. Des squelettes partout! Faut que j'augmente les points de vie, ça passe pas sinon. J'ai le shield, il m'a pas fait de dégâts. Yes, j'ai gardé le shield. Ça a quand même permis de gagner beaucoup de stats. Alors ce qu'on va faire, c'est proceed. Alors. Et je suis sneaky, donc je frappe dans la backlane. Je suis un zombie squelette rogue. Là, on va pouvoir rigoler. Hein. On va prendre celui-là assez tôt. Il m'offre quand même pas mal de survivabilité. On a du guerrier, là. Je regarderai après la vidéo. Quelle idée, mais le son est fait en profiter tes collègues! Il faut des corbeaux! Le fait de choisir quand est-ce qu'ils vont mourir, c'est hyper important en fait. Magix, ma souris, je m'en fous un peu. Plus 1 pour ce combat, je m'en fous un peu, mais ça me permettrait de combler.
Magic au poison. Non, ça on s'en fout aussi. Attends, on va reroll. On va se remettre un sneaky. Feed me. Ok, ça, ça meurt. Donc il va être summon, donc on va avoir le plus 1. C'est top. Ouais, quand il meurt, il gagne son place. Le jeu est joli, en tout cas, en zone. Pourquoi il y joue? Parce que ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Associer les deux. Je lance pas de sort. On va faire ça. Ça c'est fort. Ça c'est très 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 fort. Ça me plaît beaucoup. Ranged. Rogue. On a le bonus. On pourrait... Dead-Eyed Archer, Ranged. En fait, il faudrait que je cumule un maximum de trucs. Non, ça, c'est pas hyper fort. Je vais garder celui-là au cas où. Ah, c'est moins fort parce qu'en fait, le Fungal Skeleton là, il va peut-être pas mourir. Et je veux donner. Voilà, je veux qu'il meure, comme ça on le réinvoque. Ça, c'est bon ça. Des bonus attaques, j'en fais pas tant que ça. Hein. J'en fais pas tant que ça. On va prendre celui-là. On va perdre un cœur. On gagne de l'XP. Multi-hit. Oh putain, oui. Si je monte lui et lui, je les associe, il gagne le Ranged. Et il a un multi-hit en Ranged. Ou ces deux-là, on s'en fout. Mais bon, vous avez compris le... Le Dell. Faut que j'augmente mon... Ok. Bon, pas de bol. Voir. Avec elle, il y a vraiment des combos puissants à faire, à mon avis. Puissants. Du genre, lui... Avec le Hunger Edge, la ghoul là, qui attaque... Ah oui, merde. Ah mais oui, ils ont un multi-hit à 3, ça fait chier, ça. Il va être dispo à FR, encore le texte ne prenne pas trop de place. Non, il n'y a pas de texte, là. Tu rigoles ou quoi? Une fois que t'as les symboles, c'est un peu comme Slay the Spire ou n'importe quoi d'autre, hein. Ça roule tout seul. Oh la vache.
Je sais pas si on va pouvoir jouer au jeu en langue étrangère dans 15 jours. Toujours plus! Là, on est bon. Alors! J'aimerais bien pouvoir lever la pluie. Ça, oh oui, bah oui, ça, et ça, je veux que lui, il meure. Ok. Ça, c'est fort. Plutôt se mettre comme ça. Comme ça, t'as eu. Multi-hit, on va pouvoir le poser, hein, lui. Quoi qu'il arrive. In progress art. Ok, il va évoluer le Sun Shaman, ça veut dire. De toute façon, j'ai plus de... To battle. Toi, tu vas attaquer. Ah, mais oui, ils ont le multi, il va me défoncer. J'ai lui fait attaquer avec lui, il aurait pas répliqué, il serait mort. J'aime bien qu'il me tue, lui. Mon petit feral. Voilà. On va gagner d'XP, on va gagner un plus de permanence sur tout le monde. Nice. Ça c'est cool. Putain, le fait d'en faire plein, je pourrais farmer d'XP en fait. Non. Ça, le squash buckler en fait, je vais le prendre. Il m'intéresse. Il me le refaudrait le squash buckler. Ça, oui, je le veux. On va lock, je vais prendre celui-là et je vais essayer de l'associer avec le Will of the Wisp et de les faire claquer. De les faire mûrir. Enfin! Ça réplique pas ça, donc on va les claquer. Là, ça c'est bien. Ça meurt, c'est parfait. J'aimerais bien qu'elle attaque lui. Dommage. Et juste une attaque en haut à gauche là. Juste une attaque ici là. Une petite. Dommage, on va les tuer. En fait, ça, il faut que je fasse... Ok, j'ai envie de recommencer avec la flèche. Je le veux, lui. Je summon une fois et je donne un shield permanent à quelqu'un. C'est trop fort. Non, bon, c'est pas. On continue ma. Okay, bon, je continue ma strat. Salut Dragna! On va tuer. Yes, ça meurt. Il commence à devenir puissant là. Hein. 28.
honnête. Ça aussi, c'est trop fort. Mushi mushi. Goddammit. Oui. Ça, je vais le level up. Et on verra pour essayer de l'associer du genre à lui si je peux, si je peux en choper un. C'est beaucoup de ressources dépensées pour je sais pas quel va être mon scaling avec ça. Et genre tuer un boss, on a ces deux-là qui servent à rien. Allez, tu en as. Voilà, ça, c'est déjà ça. Parfait. Enfin, on a quelques rogues, hein. On frappe la backline, hein, mine de rien. Ok, les claques, c'est bien. Il va même pas mourir le... Oui, bah voilà. Oh, le double hit. Bien ça. Le Ranged sur le... Sun Mage. Ok, 4 skulls en plus, ça va m'aider. Ok, combat d'entraînement. En plus, le fait de prendre les combats d'entraînement, ça me permet d'avoir le plus en plus impermanent en plus du serment de servitude. Ça, c'est cool. Remarque, lui, on pourrait peut-être commencer aussi à le... Là, on en a quand même 3 qui sont honnêtes. Mais on a pas assez de... Pour moi, on a pas assez de survivabilité. Pour l'instant, j'ai jamais passé le siège. Je te prends toi. Petit passage de niveau. Nice. Un skull de plus, on est des fous, nous. Confirme. Alors, la question que je me pose, c'est que je pourrais associer ces deux-là. Mettre un ranged sur lui, ça m'intéresse vraiment pas, mais du tout. Related, il met ça je l'avais en fait. Non, en fait, on va virer lui. Je vais prendre ça. Attendez, Mawa m'appelle. Alors là, on va avoir un truc qui va être assez bien. On va faire passer celui-là niveau 2. Si on peut combiner ces deux-là, on a moyen de négocier, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Oh la vache. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ranged, comment ça, deal 3 damage. Là, tu crèves. Là, on va s'épargner ça. Ça tabasse cette merde. Ah, ils ont le sneaky.
apaches, ils sont costauds. Ils sont vraiment costauds. Ça va passer. Chaud, hein. Il faut vraiment que le prochain passage soit exemplaire. Oh. C'est hyper fort. J'ai reçu mon amour. One skull mort, confirme. Il faudrait que je l'associe. Alors non, le double ranged n'est pas forcément hyper bien. Est-ce que le fait qu'il soit squelette, c'est cool? Lui, il me... On va le virer. Les points de vie. Ça, c'est bien ça. Garrison Huntsman. Il est ranged. Putain, c'est fort ça. Un related. On est related à tout le monde là, normalement. Il me faut le chat. Skeletal Dragon. Oh! C'est fort, mais il faut choisir qui on sacrifie, hein? C'est super fort, mais il faut choisir qui on sacrifie. Moi, je sacrifierais comme ça. Il me faut le chat. Je veux augmenter le chat. Dit le chat. Ouh la vache. Ok, d'accord. Mouef. Mouef bof même. Ça pue. Je sais pas. Parce que mine de rien, on défracte un peu quand même, hein. Je veux dire. On défracte même beaucoup. Mon dragon a fait le taf et il a buté que 3 ennemis. Faut que je mette quelqu'un ici maintenant. Oh. Sacrifier ça. Sept points de vie en plus, en fait. On va sacrifier celui-là. J'aimerais bien quand même avoir le chat pour faire le combo ici. Hein. Mais en fait, le fait de level up vite, je pense que c'est le plus intéressant. Allez, tu. Je vais peut-être le sacrifier, lui, pour lui faire gagner vraiment masse stat. Ah, mais remarque, attends. Je peux peut-être le comboter.
Avec le Sun, multi-hit. Si je lui mets un multi-hit. Si j'en summon 1, j'ai gagné un point d'XP, je passe de niveau. On va dire que non. Oui. Je peux comboter les deux. One Skull. Squelette gagne plus 1 en attaque. Là. Donc là, pour éviter que... Voilà, on va le consommer dans ce sens-là. J'aimerais bien avoir trouvé le chat, quand même. Oui ! Oh ! Faut que je passe la bosse. Au final, là, on a un truc intéressant. Il y a déjà un point de vie de moins. Quoi, une vie de moins. Je sais pas combien de temps je vais résister, mais là j'ai sacrément augmenté la puissance. Et j'ai le Ranged. Et je fais des attaques bonus. Que sur les squelettes. Là je fais une attaque bonus normalement. Voilà. Ça va te faire mal, ça. Prunias. Boom, baby! Ok, on est au max level. Ok. On va faire ça. Sparring. Cette vie de vue. Attaque bonus. Ah, la balise qui m'offre l'attaque bonus, c'est vraiment très agréable et qui m'offre le ranged sur le dragon, quoi. Ça, c'est de la survivabilité. Ouais, mon main DPS va être là. Que je trouve le double de lui et que je vois avec qui je le j'associerais bien avec elle. Ah, je peux pas. Hey, il m'en manque un. Ça, c'est naze. Le shield va comboter là. Passant, hein. Heureusement que j'ai des shields, hein, bordel. C'est quoi ces stats? 100 points de vie sur tout le monde.
Ok, maintenant je peux one shot avec lui. Ok, max level. En gros, celui-là me sert plus à rien. C'est le truc qui me sert éventuellement, c'est mettre un petit bonus, mais et encore. La baliste est très forte, je trouve. Ces deux-là, là. Lui en baliste. Al dente. Essayer de gagner un peu de skull. Ouais, non, ça me servait à rien de gagner les skulls. On va prendre le multi-hit ici, on va faire ça. On est au combat de boss là. Nice. Il m'a coûté cher en points de vie celui-là. La double attaque. Ça meurt, voilà. Je pense qu'on va le plier. Hein. Il y a quand même de belles choses. On a les attaques. Oh, putain. Voilà, ça dégage. Ça dégage. Ouais, à chaque tour, on va lui en enlever un. Ça dégage. On fait l'attaque combo parce que ces deux-là combattent ensemble. Et je combatte aussi là. Bah voilà! It's coming! Why not? Et voilà, on va avoir un shield en plus sur notre Skeletal Ballista. Ouais. J'ai pas envie de le cartonner du genre dur. Le plus mal c'est toi, mais... Non, on va faire ça.
va donner un shield ici. Ok, d'accord, il va nous ressortir des champions du niveau 1, du niveau 2, du niveau 3. Ok, j'aime bien la mécanique. Bon boss final. L'avantage d'être en jet en plus, c'est qu'il réplique pas. Je sais pas si ça va être suffisant pour le passer. Hein. Là, en gros, on est vraiment reliant du squelette. On va aider là, non ? Hop là, il réinvoque. Ça dégage. Aïe. Oh, vache. Putain, si on pouvait le cartonner avant de tuer tout le monde. Oh, dommage. Non, il aurait peut-être invoqué un peu moins. We all hate you, necromancer. On a toujours notre dragon squelette qui est full life. Le double hit qui fait tellement de bien sur les shields. Me too. Ok, ça va frapper. Il frappe qu'à 20 points. Hein. Il est pas si fort que ça. Hein. Final victory. The throne is yours. Nice, hein. Difficulté 1, unlocked. Ok. Mais on a réussi à le rentrer au final. À faire un run qui est bien rentré. Un gros. Là, je la trouve vraiment, vraiment forte, hein, l'association de L. Lui, il est beaucoup moins fort. Mais bon. Bon, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Je vais vous dire à bientôt pour la suite de nos aventures. Prenez bien soin de vous et bah peut-être à ce soir pour un live, on verra. Je pense que ça va être mon petit jeu détente à moi. Allez, à bientôt tout le monde et bye bye.